Début d'année dans le rouge pour les salariés de Centro Motors et pour cause, ils n'ont pas reçu de salaire le mois dernier. Selon eux, la direction aurait invoqué les problèmes de santé de Peter Wang, le président du groupe américain, pour justifier des retards de versement de fonds au site lyonnais. À la sortie du comité d'entreprise qui s'est tenu ce matin, c'est la colère et l'inquiétude qui dominent. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas croire que c'est par rapport aux soucis de santé du dirigeant. Même si c'est le dirigeant numéro un de l'entreprise, on ne peut pas croire que c'est l'unique raison pour laquelle on n'a pas encore nos salaires versés et on n'aura pas nos salaires versés avant la fin de semaine au mieux. Nous sommes fortement inquiets, c'est pour ça que le CE, à l'unanimité, a voté le droit d'alerte. L'incertitude plane autour de la santé de Centro Motors puisqu'à ce retard de paiement s'ajoute le nombre de salariés actuellement en chômage technique, près de 300 sur les 400 que compte le site lyonnais. Contacté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer.